Ouais, j'ai pris un truc comme ça. Ah ouais, ouais, et j'ai pris le grand et il fait trac trac et je peux l'accrocher à n'importe quoi dans le ciel. Trop facile, j'adore ce truc. Et après, avec il y a une Maria ou là une Natalia qui passe, c'est quoi Maria, ouais, yo Maria. Moi, non, tu m'as dit au téléphone tout à l'heure que j'étais pas prêt, mais il m'a dit non, viens quand même. Mais voilà, ce que j'aime bien en fait, c'est après Ramadan, c'est vraiment la période de l'Ihya. Les gens ils partent en cacahuète, ça fait 30 jours qu'ils sont retenus. Des plus de 213, des Algériens et des Marocains ouais. Qui m'envoient sur WhatsApp et wa khouya nin qadrom duzou bach nharqo. Donc voilà, mahba bikoum si vous voulez visiter. Et aussi à Keshlab, ils font chbakiya bil kilou tous les ramadans ou teshwe ou lhamarras bil Eid el Kbir. Exactement, il a parfaitement raison. Lui, il voilà. Vient très souvent, il connaît. J'avais emprunté sa caméra, je lui ai dit bon, tiens, je reprendrai les images après. Mec, il a attendu deux semaines, il a dit bon, j'ai pas envie qu'elle se perde ses images, les voilà. Bah ouais, mec. Rachid Drali, bienvenue pour Qu'est-ce qui se passe, épisode 2 avec Nabila Bonskili à Keshlab, en direct de Keshlab devant notre mur bleu. On n'est pas allé très loin, mais on représente toujours. On kiffe toujours nos couleurs. What's up? Alors ça va? Ouais. Mec, tu m'as trop manqué. Franchement, ça faisait longtemps que je voulais faire l'épisode 2 de Keshlab. On avait des news à raconter. Mais c'est cool. Donc toi, t'as vécu en gros à deux derniers mois complètement différents de moi. Parce que t'étais en Russie pendant 5 semaines. Exact. 5 semaines en Russie. Exact. Pendant ce temps-là, moi, je suis resté à Marrakech. Pendant le Ramadan, juste après le Ramadan, il y avait beaucoup de fêtes. Je me suis éclaté avec les racks. Mm-hmm. Donc voilà, on va un peu parler de ça là. La canicule qui arrive, même si ça va, on n'est pas encore au mode de hell on earth, mais ça commence à chauffer grave quand même. Donc voilà, on va parler de ces news. Tiens, bah super. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... qu'est-ce que ça fait de revenir au Maroc après 5 semaines en Russie? Le Maroc, c'est bizarre parce que le Maroc, en fait, dès que tu pars, t'es content de partir, t'as juste 2-3 jours, t'as hâte de rentrer. Même pas le Marrakech. La tâche à Marrakech, c'est un virus. J'adore. Yes. Enfin, moi, je sais pas, je veux pas comparer. C'est peut-être que c'est mieux en Russie pendant la Coupe du Monde. Je sais pas comment c'est passé. Moi, je regardais tes vlogs, tu vois. D'ailleurs, je le félicite. Il a lancé une chaîne YouTube avec justement l'événement de la Coupe du Monde. Et ça a hyper bien marché parce que t'as vlogué pendant la Coupe, c'est ça? Ouais. Et ça a attiré beaucoup d'attention, Yek. Bah, c'était beaucoup de travail. Ouais, j'imagine, bien sûr. C'était énormément de travail. Mais tu l'as fait, franchement, de vlogger soi-même. Je sais pas comment tu faisais pour. Tu faisais pas de montage, tu postais directement des séquences. Non, voilà, ça arrive. Je filmais peut-être, on va dire, allez, ouais, 4 heures par jour, 5 heures. Ouais. Et je passais, mes premiers soirs, je passais 10 à 12 heures en montage. À monter, ah d'accord, ouais, on va aller, mec. Wow. Je savais pas dans quoi je m'étais embarqué. Avec une machine normale. Avec un MacBook, non. Je suis parti en système D, en fait, vu que j'ai pas pu gérer les sponsors à temps et les propositions que j'ai eues, elles étaient trop restreintes. Les gens voulaient que je fasse juste la couverture du Maroc. Mmh. Et j'estime avoir beaucoup plus à apporter tout au long de l'événement, un peu à l'image de ce qu'on avait fait au Brésil. Donc je suis parti sans staff, sans rien du tout, autofinancé. Franchement, je félicite. Et bravo, Eric. Caméra, ordinateur, powerbank, téléphone. La base. Franchement, c'est inspiring. Il n'y a pas beaucoup d'autres Marocains qui ont fait ça et qui ont vlogué pendant la Coupe du Monde. Il y a un peu Tara Essou qui l'a fait. Ouais. Mais c'est super ce qu'il fait lui. C'est super. Je connais son frère, j'aime bien, il tape moi avec lui. Série, le frère de Tara Essou. Allez, mmh. On te salue Tara Essou, on kiffe tes vidéos, mec. Yeah. Je les ai rencontrés là-bas en plus. Je les ai rencontrés. Best vlogs in Morocco. Il est charismatique, il sait monter, il a du super matos. Bref, je suis désolé, il a perdu ses caméras récemment, ça m'a trop fait de la peine pour lui. Mmh. Bon, bref, on te kiffe à Sat. Alors, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi l'image des Marocains en Russie? Est-ce que t'es au courant? Ah ben, il y a l'image des Marocains en Russie avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avant et après Golena? Ah ben, avant la Coupe du Monde, il n'y avait pas le foot. Et c'était quand même des gens super cool et super stone. Ouais. Et après le foot, tu leur dis Maroc, ils te disent waouh, Krasavchik. Krasavchik, c'est Real G. Krasavchik, Tarjlit, parce que... Ah oui, 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 oui. On les a marqués. Ah, excellent. On les a marqués. Pourquoi ça? C'est à cause d'un match? C'est parce que le Jomor dit non. Et surtout au niveau foot déjà. Ouais. Le match contre l'Espagne, notre dernier match déjà qu'on jouait à blanc. Et qu'on se retrouve des dizaines de milliers à Kaliningrad, que le stade Kouloui qu'on a Amr Blumgarba, on a retourné la ville entière alors qu'on jouait à blanc. Ils y croyaient pas. J'ai fait une interview avec le maire de Kaliningrad le match d'après. C'était Belgique-Angleterre.
Excellent. J'ai demandé, please, can I have an interview? I'm from Morocco. Je suis au Morocco. Yep, les viettes, Marocco, vous avez foutu le bordel chez vous, on vous en est reconnaissant. Top. Excellent. On est wedding. On est wedding. On les a bluffés déjà par le sens du rythme. Pour peu que tu aies jumelé un certain nombre de Marocains, c'est une halqa qui est inhérente. Dès qu'on se retrouve, tu sais immédiatement c'est qui le meneur, tu as le sens du miseur, tu le Pour peu qu'il y ait une Maria ou là une Natalia qui passe, c'est que le Maria, Maria, Maria. Ah, ils ont adoré. Non, putain, on met l'ambiance. On l'a remis ils ont adoré. Sérieux. Ils ont adoré. Ils n'ont pas l'habitude du sang chaud peut-être. Bah ouais, bon, il y a aussi les Latinos, hein, et les Argentins, ils sont venus, ils étaient super chauds. Les gars du Panama aussi, ils étaient super chauds et super nombreux. Mais on a ce qu'on appelle les misaines. Les misaines, c'est pas donné à tous les peuples. On a le rythme, mon frère. Il y avait combien de Marocains, tu penses? Ouf, il y a 40 000 mètres les niches. Wow. Ah non, bon, j'ai vu des vidéos, c'était... Portugal, Espagne. Du 40 000 facile haut la main. Kaliningrad, il n'y avait que nous. Ah, il faut le voir sur les vidéos. Les Marocains ici, ils étaient hyper à fond, ils suivaient à fond. Même quand le Maroc avait perdu, ils n'avaient plus aucune chance, ils se sont retrouvés à supporter la France, tu vois. Genre, yes, finalement, on kiffe la France, genre, ça gère la France, on est avec vous à fond. Franchement, t'as été surpris ou pas par la victoire de la France? Franchement, je l'ai pas senti venir du tout. Ils n'ont pas eu à sortir le grand jeu, c'est ce que j'aime dire. Pourquoi? Dans la mesure où ils n'ont déployé que ce qu'ils n'avaient à déployer pour parvenir à leur fin. C'est pas comme s'ils étaient en mode max à fond tout le temps. Ils n'ont pas sorti un grand jeu, ils ont juste sorti pile poil le jeu qu'il fallait pour gagner. Et c'est tout à leur honneur, hein. Surtout quand tu joues contre une Croatie qui a déjà un match de plus que tout le monde. Ils se sont tapés les prolongations au 8e de finale, au quart de finale, à la demi-finale. C'était fatigué. Une demi-heure, c'est un autre match. Ils n'avaient pas autant de... J'avais dit que la présidente croatienne. Ouais, c'est bon pour tout. Franchement, j'ai pas vu. Franchement, ça m'a fait kiffer à chaque fois. J'ai pas du tout suivi comment s'est passée la Coupe du Monde, mais j'étais content que la France gagne parce qu'il y a beaucoup de Français qui avaient dit ça au Maroc et ils étaient tellement heureux. Ça m'a fait plaisir pour eux. Tu te retrouves même des nanas qui regardaient le match, je trouve ça marrant. Moi je regarde pas beaucoup de nanas. Ready. Ready again. Mec, ready, j'ai mes shoes là. Je vais remettre mes shoes 10 fois mieux. Les pieds sont sales, j'ai trop marché. Ah. On les voit pas sur les trucs. T'es pas dans le champ, ouais. Les pieds ne sont pas dans le champ. Ah, on peut les exposer, on peut les exhiber alors. Alors, désolé, il y a eu une coupure, on avait un problème de batterie. Donc on disait, au Maroc, un des trucs qui ressemble le Marocain, c'est le foot. Donc c'est vraiment sympa d'avoir le pays United. Au moins pour une petite période. Sauf pas, peut-être qu'après que les matchs soient perdus, que ça part en discorde, non? Ouais, quoique, mais là, t'as les Ligues arabes. Hein. Ouais. Avec Raja Barkilaba. Dès que je dis là aussi, t'as la Champions League arabe. T'as les coupes de la fédération, t'as les pays arabes, etc. Donc on a des pays, des clubs. Marocains, lui, quand même. Alright. Can't make that. Et tu m'as dit qu'un des autres sports qui rassemble les Marocains, c'est le billard. Ah, Goulvezur. Goulvezur, sport national marocain. Je comprends pas qu'on n'ait pas une ligue de billard. Parce que le billard, je me répressais. Tout le monde a joué au billard, il y a maintenant le collège ou le lycée. T'as plein d'adultes aussi qui continuent à jouer. On a des Marocains qui jouent en Angleterre, qui ont gagné des championnats d'Afrique. C'est vrai que le cercle, ça marche hyper bien. Je te vois souvent là-bas. Le cercle, c'est top. À côté de l'envers. Ouais, moi, le snooker, c'est une thérapie. Ah ouais. Ah oui, ça m'aide à me concentrer, je suis tout le temps surexcité et tout, t'arrives sur la table de snooker, ça se vient que de la géométrie, du calcul, de la concentration, t'oublies tout. Trop drôle, c'est comme moi devant les jeux vidéo, moi je suis pas très billard et tout, mais j'aime bien voir les gens jouer, genre quand tu vois des beaux moves, c'est joli à voir, ça fait plaisir. Et parfois au cercle, tu vois des pros jouer, même des nanas des fois, je suis assez étonné. Ouais. Des nanas qui gèrent le billard. Tu joues Lina au billard? Non, mais j'ai joué. Ok, tu sais, tu suis les mecs et tout, billard, tu vas dans toutes les caves. C'est moins cher. Exactement, dans toutes les caves. Il y a beaucoup de caves à Marrakech où tu peux rentrer et jouer au billard. Des fois, tu rentres dans le sous-sol, tu sais pas où ça va te mener. Tu descends en bas, il y a une grande salle, plein de gens qui jouent au billard. Moi, des fois, je suis étonné à Marrakech. Billard, c'est ça, quand tu allais pas en cours et tu rentrais tard le soir. Et ma mère, elle sentait mes cheveux. On te voit arriver.
Bon, alors comment s'est passé pour toi le Ramadan et après le Ramadan? Tu peux nous dire un peu? Ramadan, bah, c'était relax, hein, parce que déjà il y a un truc, ben bah, t'es goulé que le Marrakechi, il est ma'amrou, mais qu'il est qu'il est juste le Marrakech de l'âme. T'es qu'il est sif, à ma'amrna, mais je n'ai pas de sif. Ou t'es qu'il est toi, à ma'amrna, mais je n'ai pas de sif. Sauf que cette année, franchement. On a eu de la chance, et il faisait pas hyper chaud pendant Ramadan. Là. Franchement, il y a eu de la chance, c'était assez doux. Clément, c'est cool, man. Même si l'activité est beaucoup plus calme, franchement, j'ai mis en stand-by la plupart de mes trucs. Je me suis concentré sur mes vidéos gaming. Mais voilà, ce que j'aime bien en fait, c'est après Ramadan, c'est vraiment la période de l'Iha. Les gens, ils partent en cacahuète. Ça fait 30 jours qu'ils sont retenus. Donc, des événements, des sorties, plein de choses à faire. Et il faisait encore assez bon, donc on a eu de la chance. Là, la grosse chaleur arrive, donc ce que je vous recommande, ah ouais, le Rchacha. Il y a plein de gens, des fois je vais en festival, en teuf, et ce qui marche hyper bien, c'est le Rchacha Drey. Ça, vous pouvez demander ça, les coiffeurs ils les ont, et ça coûte 20 dirhams. Ça marche hyper bien, au lieu de dépenser 1000 dirhams par mois de clim, vous pouvez avoir un Rchacha à 20 dirhams. Non, c'est gluant, mec. Excellent, en tout cas, ça marche hyper bien en teuf, festival et tout, je vous recommande. Ça va vous faire des amis. Et les raisins. Des raisins frais que tu mets au frigo et tu les bouffes après. Donc c'est ça. Pour moi, ma solution à la chaleur, c'est un peu ça. Tu peux les mettre toute l'année. Des raisins? Ouais. C'est vrai? Ouais. Dans la glace? Ouais. Ah, c'est comme un dessert. Ah, chelou. Non, bah, ça va. Ah, c'est frais frigo, ça me va, tu vois. T'as des solutions contre la chaleur? Hydratation, transpiration, tu évacues les toxines, la vie continue. C'est clair. Bon, Chili, de toute façon c'est Marrakech, on s'habitue. Et malgré des températures comme ça, moi je disais il y a de plus en plus d'étrangers qui s'installent à Marrakech, donc ça me fait trop plaisir. Genre récemment, juste aujourd'hui j'ai rencontré Cisco de Light Painting. Oh il est cool Cisco, bien sûr. Il te kiffe mec. C'est un bon pote, on avait bossé ensemble, Happy Gaylis. On avait fait un stand de Light Painting au Carré Eden, et c'était là où est-ce qu'il testait son dispositif de light painting / VJ. Où est-ce que en temps réel sur un écran il fait son truc et il te reproduit sur un écran tout le light painting et ça te fait une animation etc. de malade. M'expliquer, ils ont développé un logiciel, c'est un des meilleurs light painters au monde et on a la chance qu'il soit au Maroc. Et des fois il représente le Maroc dans d'autres pays, il fait des expositions de light painting, parfois dans des endroits marocains avec de la calligraphie arabe, dans d'autres pays, en Russie, en France, en Belgique, dans plein d'endroits. Il se représente dans plein d'endroits, mais pas trop à Marrakech. C'est ça qui est intéressant. Et c'est lui qui a inspiré cashpainting.moi. Donc c'est pour ça que je le remercie énormément. Et je lui fais un gros bisou. On va se revoir, Inch'Allah. Yes, Cisco. Il m'a dit en septembre, il y a une réunion de light painters du monde entier, environ 30 light painters, qui vont se retrouver au Maroc, des gens hyper connus, et qui vont faire des photos de ouf. Okay. Donc si on peut filmer ça, ce serait vraiment top. Ça nous ferait de la pub pour Marrakech et ça va nous permettre de prendre en photo le Maroc sous vraiment différence. Donc les gens, c'est vraiment des artistes. Ouais. C'est des gens qui peignent avec la lumière, littéralement. Et voilà, moi je suis grand fan, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Monsieur Cisco. Et voilà, à part ça, plein d'autres gens qui s'installent, j'ai une nouvelle voisine qui est tombée amoureuse du Maroc, ça fait 6 mois qu'elle est là. Je te salue Julia, ça fait plaisir que tu sois là, d'avoir des gens en fait qui arrivent et qui tombent amoureux de nos couleurs, des odeurs, de l'ambiance, du sourire des gens, qui te disent qu'ils ne trouvent pas ça dans d'autres pays, je trouve ça vraiment incroyable. Malgré qu'on ait beaucoup de problèmes, il y a tellement de problèmes au Maroc, mais il y a encore des gens qui s'installent. C'est génial, non? Écoute. Que dire? À part les taxis, je pense que tous les Européens ici trouvent leur compte. C'est clair, les taxis, putain, il n'y a pas beaucoup de gens qui les aiment. Sauf parfois les taxis verts, quand tout est arrangé d'avance, mais quand tu les trouves dans la rue et que le taxi peut faire ce qu'il veut. Juste ce matin, en revenant de Cisco, franchement, j'ai eu une mauvaise expérience. J'avais un billet de 100 dirhams, mais il n'avait pas de monnaie. Et il me demande d'aller chercher la monnaie dehors. Je dis, t'es un malade ou quoi? Je vais aller chercher de la monnaie pour te rendre. Je dis, waouh, bon bref. Service marocain, oui. Alors, est-ce que tu peux comparer ça au Uber aux États-Unis là, Uber, c'est. Uber, tu leur parles même pas. Tu le commandes, tu rentres dans la voiture, oui, c'est Lina, ok, ça ne parle plus avec. Et après, tu sors, thank you. Et après, tu lui fais genre rating. Moi, je dis, comment tu vas faire de rating si tu lui as même pas parlé le mec et tout, ni rien. Mais bon, je mets toujours 5 stars. 5 stars? Oh, trop nice. Si on pouvait mettre des notes au taxi marocain purée, oh, franchement, ce serait trop drôle. Alors, tu mets des commentaires. Tu sais que maintenant, il y a des commentaires Google sur Google Maps. Mm-hmm. Les gens, ils laissent des commentaires sur Asima. Et ils laissent des commentaires sur les grosses enseignes. Je comprends pas. C'est les voyageurs. Sur les grosses enseignes. Je dis, ouais, il y a beaucoup de sélection de produits. Parfois, ils préviennent des trucs, par exemple,
il y a un mec qui m'a dit qu'il allait pas à Asima parce qu'il a vu des bad reviews sur Google. Il disait qu'à Asima, ils essayaient d'arnaquer les touristes, qu'ils leur rendaient pas la monnaie, etc. Il m'a dit donc je vais pas à Asima. Et il va chez où? Il va chez Mulp Pesri qui est trop bien. Donc je trouve ça trop drôle, l'histoire des reviews. Je crois que c'est. Ils arnaquent les touristes. Je te parle sérieux, c'est avec mon invité Airbnb, Michael, qui est du Canada, qui m'a raconté ça. Mm. Donc, bref, vraiment intéressant. C'est important ça. Bah, par exemple, quand on. Si on aspire par exemple à organiser une Coupe du Monde ou un événement planétaire au Maroc, il faut savoir que toutes ces personnes-là qui viennent de toutes ces démographies différentes, de pays différents, etc., leur seul point commun c'est l'Internet. Quand ils arrivent quelque part, ils sont paumés, leur seul point de repère c'est leur smartphone. Ouais. Tu peux pas. Dès que tu arrives, tu veux savoir où est-ce que tu peux manger, où est-ce que tu peux aller faire ceci, cela, tac, 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 tac. Et à défaut d'aller voir le descriptif, ben, même nous les premiers, tu vas voir les commentaires des autres gens comme toi qui sont partis, qu'est-ce qu'ils ont à raconter. Mmh. Tu vas, tu glanes une vingtaine de commentaires, après tu te fais une petite opinion, on va dire, assez. Ouais. Ça peut te faire gagner beaucoup de temps d'avoir des astuces sur comment faire les choses, pourquoi ne pas faire, à quoi faire attention. Ouais, ouais. Enfin, non, c'est important. La communauté, c'est important. Yes. Mais des fois, tu hésites au fait. Donc les commentaires, genre Yelp et tout. Moi, je suis dans l'hôtellerie et il y a un petit truc qui se passe, ça est. C'est la fin, c'est un tas. Service horrible, voilà. Ils ont déconné. Des fois, il faut faire attention, il faut pas s'y faire. Ouais, d'accord. Franchement, 100%. C'est vrai, il y a des gens chelous qui laissent des commentaires bizarres, j'en vois sur Internet. Maintenant qu'il a une chaîne YouTube avec 2000 abonnés, est-ce que tu as des commentaires bizarres? C'est trop cool parce que j'ai lu quelque part et si tu commences à te faire troller, c'est que tu as réussi quelque yes, chose. Yes, exactement. Ouais, donc j'ai dit Jay Lopez, if you don't have haters, you ain't popping. Ah ouais, c'est trop cool. C'est cool, alors c'est quoi les commentaires bizarres que tu as reçus? Je vais cramer ta mère. Non. Bon, t'as bien sûr tous les trucs politiques. Moi, je refuse de parler de politique, etc. Sauf si je peux avoir une réelle valeur ajoutée. Ouais. Mais bon, t'as tous les discours génériques qui sont reliés à la conjoncture mondiale. En mode, j'ai même pas envie de spécifier. Sinon, tu as j'avais fait un interview avec des Hawaga qui voulaient pas se faire montrer à la caméra. Je les avais rencontrés coïncidence à Moscou, une mosquée. Ils s'étaient fait choper vers Kaliningrad en allant vers les frontières de la Lituanie. Ils ont deviné les Kanobawa Hargo, ils les ont renvoyés à Moscou. Et je fais l'interview avec eux, je mets l'audio sur Internet. Et je commence à recevoir des commentaires et des trucs de genre « Ouais, écoute mec, alors c'est quoi le meilleur chemin pour accéder à la Lituanie de Kaliningrad ou la Washington de Saint-Pétersbourg, le Finlande, mais n'y m'était du zut dreri. » Je sais pas mon frère, moi j'ai juste publié leur témoignage pour que les gens sachent ce qui se passe, mais sans plus. Excellent. En plus, comme j'ai mis mon WhatsApp sur toutes mes vidéos, parce que toute la deuxième phase déjà de mon voyage, yes. Pendant que le Maroc il était là, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Pour être au bon endroit au bon moment, je prenais des taxis, j'étais hébergé confortablement. Et je me faisais plaisir. J'ai claqué 20-25 000 dirhams. Et après la disqualification du Maroc, j'ai décliné mon budget sur Internet. Il me restait 3 000 dirhams et des cacahuètes. Ouais. J'ai un pote, il m'a refilé 100 euros, donc j'avais 4000 dirhams. Et le truc, c'était quoi? Suspense. Est-ce que je vais arriver jusqu'à la finale avec 4000 dirhams en Russie? Sérieux? Wow. Et je demandais aux gens de me donner des pistons. Il y a plein de gens en fait qui m'ont contacté. Il y a des gens qui m'ont demandé à titre anonyme. Ils m'ont dit, mec, écoute, on t'envoie 200 euros. Une autre personne aussi m'a proposé 100 euros. Il y a plein de gens qui sont manifestés pour m'envoyer de l'argent. Je leur ai dit, non, moi, allez, suivez le challenge. Vous avez mon WhatsApp, vous voulez me recommander des endroits où dormir, des trucs quoi faire. Paf. Et je me retrouve là dans mon WhatsApp avec des numéros. Des plus 212 et des plus 213, des Algériens et des Marocains ouais. Qui m'envoient sur WhatsApp et wa khoya menin nqdrou ndouzou bach nharbo. Moi j'ai envie de dire, je sais pas mon frère. Ils t'ont pas trop pistonné sur comment gagner des sous Non, le but c'était pas de gagner de l'argent. Les bons plans pour tenir 3 semaines. J'ai eu surtout des super messages d'encouragement parce qu'au fil de l'eau. Tu rencontres des gens et carpe diem. J'ai fait des super rencontres. Mmh. Et même 4000 dirhams pour 15 jours. Si 4000 divisé, j'avais grosso merdo, yallah, 200-250 dirhams par jour. Man,
à 250 dirhams par jour, dans plein de pays dans le monde, tu peux dormir dans une auberge de jeunes à 90 dirhams la nuit, ouais. Tu peux manger low cost, tu prends les transports en commun, c'est pas la fin du monde. Moi, donc, tu as fini la Coupe du Monde avec tes bien sûr, je les ai finis haut la main, mais j'avais plus de quoi rentrer, donc ma mère et ma chérie ont cotisé et m'ont pris un billet d'avion. Pour génial, rentrer. Pour qu'ils rentrent, il y avait les tétans, on avait peur que tu rentres pas, mec. Je voulais faire d'autostop et rentrer en Pologne en autostop et rejoindre un aéroport pas cher, mais à la fin de la Coupe du Monde, j'étais tellement fatigué que je veux rentrer de Moscou. Moscou, Casa, please. Je veux plus la Pologne. Oh my god, you made it, mec. Tu fais quoi avec 250 dirhams en Russie? Je fais plein de trucs. Genre, c'est beaucoup? Tu manges. Déjà, t'as les kebabs. Je comprends pas pourquoi les kebabs, les Arabes font les meilleurs kebabs à l'étranger. Pourquoi on n'a pas des kebabs aussi bons là-bas qu'ici? À Marrakech, ouais, c'est clair. Vrai. Les Grecs, là. Un kebab, c'est vraiment c'est la nourriture nationale à Paris. Franchement, avec, comment il s'appelle, Malik, c'était kebab frites, c'est ça sa life, kebab frites. Et t'as la bouffe traditionnelle, dialogue, tu peux aller faire la dernière semaine, j'ai rencontré deux frères moscovites à Sochi. Je rencontre le gars, en fait, il était complètement défracté. Après le match, je fais un interview avec lui, il avait un look trop stylé. Le lendemain, je suis en train de bosser, faire un petit resto. Derrière mon ordi, je le vois passer. Je fais, yo man, yesterday, the interview et tout. Il me regarde, il fait, je lui dis, écoute, je suis en train de bosser le montage, je lui montre sa vidéo et tout, il me fait chier, je me rappelle même pas ça. Il me dit, écoute, this is my brother Artem. After, there's a karaoke upstairs. You say the table of Sergei. Je fais, ok, j'ai fini mon montage, je monte, ils sont dans un karaoké, ils avaient une bête de réservation. Sergei Stable. Et je prends le micro et je commence à rapper. J'ai fait un California Love, j'ai rappé du Tupac, etc. Ils m'ont dit, mec, on est promoteur de soirées hip-hop et etc. et trap à Moscou. On quitte dans deux jours, c'est quoi ton programme? T'as pas de programme, c'est simple, tu prends l'avion avec nous. Sochi, Moscou, tu restes avec nous. Quoi, t'es en mode challenge, budget, tout. Viens. Ils m'ont emmené en avion de Sochi à Moscou. Wow. Ils ont passé un coup de fil, ils m'ont vidé un appartement. Et j'avais un appartement à Moscou avec deux frères moscovites. Ils m'ont amené des soirées de psychopathes. Et ils me présentaient comme leur pote blogueur du Maroc qui rappe. Et j'ai passé la semaine à faire des freestyles, à rencontrer des rappeurs, des blogueurs de Moscou. Wow, c'était vachement cool. La story de ouf. Et quand tu as une cuisine, tu peux aller, tu fais ton marché. Tu vois, t'achètes différents petits produits, tu fais ta petite cuisine. Tu as goûté leur pain, le pain russe, le pain noir. Ouais, ouais, c'est bien. Et en plus, au moins, ils le coupent et ils mettent une soupe dedans, le borscht. Ah ouais. Et t'as de la soupe dans le pain. Dans le pain, putain, je savais pas. Putain, ça a l'air trop bon. J'avais mangé ça en Afrique du Sud aussi. Donc en fait, c'est plein de pays qui font un peu de trucs. Mais c'est bien. Bon, blan. Yeah, man. Bon, je voulais aussi parler d'un truc qui est en train d'arriver à Marrakech, au Maroc en général, c'est AliExpress. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas pouvoir commander sur Amazon, parce que bon, Amazon, tout le monde adore en Europe, aux États-Unis, parce que bon, tout le monde peut commander des millions et des millions de produits. Ils arrivent chez toi, il y a Kalina, en deux jours. Ouais, en deux jours. Amazon Prime. Si tu as Amazon. Deux jours max. Deux jours max. Donc tu reçois des produits hyper rapidement. Mais au Maroc, ça ne marche pas. Ils ne livrent pas au Maroc, on a des contraintes. Par contre, AliExpress, ils peuvent, ça arrive à Marrakech. Moi, je me suis fait livrer des lunettes lumineuses, plein de petits gadgets pour le light painting. Mais il faut se méfier. C'est-à-dire que déjà, c'est super parce qu'on peut payer avec une carte marocaine. Tous les comptes marocains, ils peuvent avoir une carte WebPay associée. Il suffit de demander à votre banque. Et avec cette carte WebPay, on peut payer sur AliExpress. Ça met 3 à 4 semaines pour arriver au Maroc, mais ça arrive. Donc, c'est hyper encourageant. Il y a beaucoup de produits disponibles. Mais vraiment, faites attention sur certains produits parce que le shipping est hyper cher. Par exemple, s'il n'y a pas le shipping AliExpress, ça peut vous coûter genre 70$ juste pour shipper un objet qui coûte parfois 5$, tu vois. Donc faites hyper attention à ça. Mais ils n'arrêtent pas les trucs à la douane et ils te demandent de payer des suppléments. Alors, t'ai fait des livraisons et tu es obligé d'aller le postal, tu dis ouais, non. Ils t'ouvrent le carton devant toi, ils te demandent c'est pourquoi, ils prennent la facture et après eux ils te rajoutent un truc, ils te disent tu nous rallonges ça sinon tu prends pas ta marchandise. Alors on m'a dit que ça arrive si tu prends des commandes de plus de 80€. J'ai fait que des commandes qui étaient en dessous de 80€ qui sont arrivées séparément, mais j'ai un ami qui se fait souvent livrer des produits de Chine. Il m'a dit au-dessus de 80€ tu peux, et ça se fait bloquer à la douane et ils te demandent de parfois payer un supplément. Voilà, pour moi c'est pas arrivé, si vous prenez des petites commandes c'est possible. Voilà, donc voilà, encore beaucoup de contraintes. Mais ça prend combien de temps d'AliExpress? Au moins 4 semaines. 3 à 4 semaines, parfois plus. Il y en a un de mes produits, il a pris un mois et demi. C'est chiant. C'est hyper chiant, mais bon, ça arrive. Il y a plein de gens qui se font livrer, par exemple, des produits de l'électronique, des caméras, des micros. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'il y a plein d'objets qui vendent ici dans des shops. Donc
Tu sais, donc les vendeurs de téléphones et tout qui achètent des petits trépieds, donc le trépied là. En fait, quoi, ils achètent 10 sur AliExpress à genre 50 centimes pièce. Ici, ils les vendent à 15 dirhams. C'est les mêmes produits. J'aime chinois de toute façon. Ouais. Donc voilà, AliExpress au Maroc, ça marche. J'ai testé, je vous recommande. Et je suis sûr que vous pouvez trouver plein de trucs assez incroyables. Ce qu'il y a sur AliExpress, c'est incroyable. Ils vendent des pierres précieuses, des fringues. Qu'est-ce que tu as envie d'acheter sur AliExpress? T'as une idée, toi? Ouh. T'as un truc que tu voulais choper depuis longtemps, par exemple sur Amazon? Moi, je suis fasciné par les gadgets. Ouais, moi aussi. J'adore les... Des gadgets. Après tout le reste, alhamdoulilah, on trouve déjà pas mal de trucs au Maroc pour les besoins de base. Ouais, c'est clair. Mais des gadgets, un truc, t'appuies sur un bouton, il se passe un truc. Ça, c'est cool. Par exemple, avec le stabilisateur de caméra que j'utilise pour, dans certaines de mes vidéos, on ne pouvait pas le trouver au Maroc. C'est pour ça que c'est pratique parfois AliExpress et tout. Mais après, tu as tendance à plus faire confiance aux marques pour les trucs plus spécialisés. Là, par exemple, j'aimerais bien, il faut que je rachète un micro. J'ai perdu mon micro. J'ai perdu mon enceinte Bluetooth. J'ai failli perdre ma caméra, j'ai perdu trop de trucs. C'est vrai, en Russie, oh là là, il m'arrive un truc, tu sais que j'ai chialé là-bas. Non. Je te jure, mec, alors le scoop. Nabil en Russie qui pleure. Le scoop, mon frère. Oh là là, non, j'étais à Kaliningrad avec mon pote Hicham, putain. En fait, j'ai oublié cette histoire parce que je voulais pas la partager au téléphone avec mes proches pour pas les stresser. Ouais. J'ai pris ma caméra tata, je finis mes prises, après je commence un Facebook Live. Je remballe la caméra, je vois mon pote Hicham, je lui dis avec la caméra en état, il y a une fontaine, je lui dis avec la caméra à la terre. Je fais comme ça, il se décale, je lance le live, mais je vois واحد, la nana déguisée et tout, je me suis dit, wow, wow, hey, hello, yeah, say hi to my friends from Morocco. Hicham, il vient avec moi et on part. J'ai oublié la caméra posée, tout mon matos posé en bord de la fontaine et je fais le live. Moi, je me goûte 45 minutes de live. Après, personne l'a touché. J'ai fait tout le tour. Après, j'ai refini sur Sahal. Voilà, j'ai traversé la rue. J'ai fini. Je remballe mon téléphone. Ça y est, fini de la bataille. Ça fait inattendu. Viens, on va se poser. On va aller prendre un morceau, etc. Relax. J'arrive à l'entrée d'un truc. J'ai un réflexe. À chaque fois que tu rentres, les détecteurs de métaux et tout, je vais pour faire comme ça la caméra. J'ai pas ma caméra, je me retourne, je commence à courir. Stress. J'arrive, il dit que la grande place, les flics, ils étaient déjà passés, ils avaient ratissé tout le truc. Je passe à travers les flics, ils voient que je suis en stress. Ils me suivent gentiment. Je fais le tour de la fontaine, je ne trouve pas. Je fais comme ça, je me mets à genoux et j'attrape ma tête. Sérieux? Fuck. Déjà dans ma tête, je vois. Depuis que tu continues la mission au téléphone, il te reste 300-400 euros, tu peux pas racheter une caméra. Merde. J'avais les larmes aux yeux. Le flic, il vient, je fais. Five minutes. Je dis, non, mec, merde. Le gars, il me lève. Il m'escorte, il m'emmène à un camion de flics et je suis posé à côté. Je sors mon téléphone, je fais la marque de ma caméra, case, pochette. Je lui montre, je lui dis voilà ce que j'ai perdu. Il part, un autre flic, il revient, il ouvre la camionnette, il me sort ma caméra. Sérieux, waouh. Waouh. Putain, les flics, ils t'ont sauvé à ça. 45 minutes que mon truc, il est resté, il y avait 10 000 personnes qui disent la place. Oh my god! Incroyable! Mais pour revenir à ce qu'on disait, mais après, bon, j'ai perdu le micro, j'ai fait un autre truc. Je suis arrivé dans des toilettes, il y avait le bar. Amr Bned, mais nous on était dehors et j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Donc je rentre le bar, il y a plein de monde, je rentre avec mon boombox comme ça, par Kleoum Gnawa, etc. Je fais une achat quand c'est mon tour pour pisser. Je me dis, ouais, les gens ils sont en train de kiffer, en train d'attendre, laisse-leur la musique. Je laisse la musique, je rentre aux toilettes, je sors des toilettes, il n'y a plus mon nom. T'as juste envie de noucher les gens et tu... Ouais, c'était stupide. Fuck, trop drôle. Bref. Bon, mais... ça, c'est l'intention était bonne, mec. Tu auras des hasanats. Mais j'achèterai pas des trucs comme ça de AliExpress. C'est pas le même type de garantie, c'est pas le même type de peut-être de finition. Même l'obsolescence même de l'objet, tu serais pas vachement à l'aise, je pense pas. Pour de l'électronique, c'est vrai, j'aurais un peu moins confiance. Mais pour pampe, des pierres précieuses, toutes sortes de métaux. Pierres précieuses, qu'est-ce que tu vas faire avec les pierres précieuses? Tu peux en faire de la décoration, tu peux le mettre dans des colliers, tu peux le mettre dans plein de trucs. Par exemple, des lumières pour light painting, des lampes torches, tout type de lampes torches qui sont hyper difficiles à trouver ici. Donc moi, ça m'a sauvé pour le sujet. J'ai bugué sur ça, donc tu achètes des pierres précieuses pas chères. Ouais, moi j'adore en fait. Donc c'est plus si précieux que ça.
Ouais, c'est vrai que bon, c'est pas des pierres précieuses, c'est juste des pierres stylées en fait. Ah, ok, des pierres stylées, c'est pas de la labradorite, c'est des cristaux de labradorite hyper stylés. Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Je dis des pierres parce qu'en fait, j'ai vraiment cherché. Il y a des pierres en fait qui. Il y a chacune des pierres qui représente un des chakras, je l'ai trouvé hyper stylé. C'est-à-dire chaque pierre d'une couleur et tout. Et je voulais acheter avec le combo. Mais il n'y a pas que les pierres sur AliExpress, bien sûr, plein d'autres trucs. Je vous laisserai découvrir. D'ailleurs, il y a un tutoriel qui arrive bientôt. Ça fait longtemps que je l'annonce, mais ouais, il y a un tutoriel pour comment acheter sur AliExpress. Et voilà, donc moi je voulais aussi parler de la RAC maintenant que tu es rentré. Tu as raté deux RAC. La RAC électronique, c'est un collectif avec de DJ qui organise des événements à Marrakech et dans les alentours. Et ce que j'aime beaucoup faire de la RAC, c'est qu'ils font des événements dans des endroits ouverts. Moi, ça me saoule les boîtes de nuit, les endroits fermés ou je sais pas, où c'est enfumé, tu peux pas bouger. Donc voilà, je trouve ça génial qu'on puisse écouter de la bonne musique, pour moi de la musique électronique, de qualité, dans des endroits stylés. Et ça m'a permis de découvrir les cascades d'Ouzoud, purée, quelle tuerie. Oh my god. Tu connaissais pas. Moi j'applaudis Larac pour m'avoir fait découvrir les cascades d'Ouzoud. Mec, c'était la merde. Meilleur spot ever pour une teuf de Ah, c'est de Max, musique électronique. Moi j'ai vu les images. Quelle idée de Max. Malade. L'une des seules fois où je me suis dit, merde, t'es en Russie. Fuck, ouais. T'as raté ça, Aslat. Ouais. C'est clair. Franchement, merci Diego pour être l'événement, j'ai kiffé. Et Julien aussi, de Sweeties, of course, bravo. Donc moi, je félicite les gens qui font monter la vibe dans des beaux endroits qui permettent de les découvrir. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais la vibe était très très high. Et franchement, si c'était à refaire, je le referais direct. Direct. Et voilà, je me suis éclaté à faire la vidéo. La vidéo, elle est déjà à 150 partages, mec. J'ai vu ça. Voilà. C'est une super vidéo. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Exactement, les images parlent d'elles-mêmes. Les gens qui kiffent devant les cascades, il n'y a rien de plus beau. Cascade de 100 mètres, mec. C'est énorme. On te croit que t'étais dans un autre pays. On a ça au Maroc. C'est assez impressionnant. Et moi j'étais à Marrakech à 200 km et je savais pas. J'ai découvert Cascade d'Ouzoud à 30 ans. Excellent. J'y ai pas été depuis mon enfance. Hein. Wow. Ouais. Et voilà, deux semaines après, je crois qu'il y avait une rack dans l'hôtel César. Ça m'a aussi permis de découvrir l'hôtel César, moi j'étais jamais allé. Et voilà, sympathique pool party, toujours autant des bonnes vibes. Donc ouais, ça me permet d'avoir des bons breaks pendant le week-end. C'est un plaisir d'avoir ça à Marrakech. Et on a notre équipe d'oiseaux. Et ici à Keshlab, en fait, on a un nid d'oiseaux et on s'est allié avec des moineaux on a fait un pacte. Je leur ai dit de pas chier sur mon mur bleu et je protège leurs œufs. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, alhamdoulilah. Alors, what's up? Alors, t'as quelque chose à rajouter sur le voyage en Russie? Ouf. Ah, papa. Ben, le fait que peut-être ayant été au Brésil pendant toute la Coupe du Monde. Ouais. Je pensais vraiment que Zama, le Brésil, c'est le Graal de la Coupe du Monde, parce que c'est le pays du foot. Ouais. Bah, figurez-vous que je me suis planté, lamentablement. Qu'est-ce la que Russie fait changer d'avis, là ? Parce que la Russie est le pays du foot, tu t'attends, tu as des attentes. Yo man, c'est le pays du foot, ça va être la meilleure Coupe du Monde ever. Le Brésil, tu veux dire ? Ouais. Quand au Brésil, ouais. Eh bien, tu arrives en Russie, c'est pas le pays du foot. Et tout le monde était impliqué pour faire en sorte. Que ça se passe bien. Ce soit au top. Tous les citoyens, ils s'en foutent du foot. Ben, vois ça. Mendo, je m'accorde. Wallah, Mendo, je m'accorde. Il y en a certains, dans certaines villes, ils surnomment leur équipe nationale les arbres dans la forêt. Parce qu'ils ne bougent pas, ils sont trop statiques, ils ne foutent rien. Je te jure, l'engouement pour la Russie ne s'est fait qu'au 8e de finale. Et quand ils sortaient dans la rue, ils n'ont pas l'habitude de se retrouver, de scander des trucs ensemble. Ouais. Ils savaient dire que. Russia. Ils n'avaient pas de chance, ils n'étaient pas organisés, ils s'y attendaient pas, ils ne savaient pas chauffer. Donc les interviews disent Roska. Roska. Qu'est-ce que vous pensez de Ruski? Roska. Ouais. Bon, ils ont été un peu déçus après quand ils ont perdu contre la Croatie. Mais ils s'y attendaient pas. Mais tout le monde a fait en sorte que ça se passe bien. Alors qu'au Brésil, tu passes limite, c'est. Tu te dis que ça pourrait être comme ça, c'est déjà un super joli cadre. T'es dans le pays du foot, tu te dis ouais, je suis déjà assez chanceux d'être ici parmi ces gens-là. Et pour eux, plus ou moins, la vie continue. La Russie, tout le pays s'est mobilisé pour faire en sorte que ça se passe nickel, chrome. Au niveau de l'organisation, au niveau même la FIFA, comment ils ont mis en place les trucs, etc. Man, c'est rien à voir avec le Brésil. Tu sentais vraiment que tout le monde était au petit soin pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais le stade, le Kherjal, comment tu dors, tu es dans un métro et tu trouves une bulle de réseau. Donc tu t'arrêtes et vite fait, tu réponds à tes messages ou t'envoies une photo, le chile bas. Et quelqu'un va venir où il fait lui, excuse me, je te vois sur ton téléphone, Yakma, tu es paumé. Yakma, tu veux. Non, wow. Et oui, je garde. Ah.
partout, pas moi, même juste je m'assieds là-bas. Ils étaient trop contents de nous accueillir. Et tu sentais qu'ils étaient trop tristes de savoir qu'on allait partir. Les Marocains ? Les Russes. Ah, cool. Ah ouais, ouais. Masraouch Bina. Ça y est, encore à des trucs. Elle s'est vidée ou quoi ? Je sais pas. Désolé, on a une autre coupure. Encore une histoire de batterie. En fait, la caméra a surchauffé. On l'a mise dans le frigo. On l'a mise dans le frigo. À 5 minutes, maintenant ça va mieux. La caméra va mieux. Alhamdulillah. Donc, qu'est-ce que tu disais que là, qu'on va manquer aux Russes, c'est ça ? Grave. Masraouch Bkaad, les nationalités, j'ai envie de me dire. Pour eux, tous les Russes étaient conscients que pour eux, c'était un coup marketing. Ouais. Il faut maintenant qu'on saisisse l'opportunité de casser tous les clichés et stéréotypes qui peuvent graviter autour de la Russie et Kadek Shabat, l'Union soviétique, etc., qui gravitent, ouais, surtout par rapport aux Anglais, aux Américains, etc. Et c'était l'occasion de bien paraître. Ah oui, 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 oui. Ils ont dit, mec, pourquoi ? Ils disent, c'est des autres pays. C'est la même chose. Tu sens comme si t'es... dès que tu arrives, tu deviens un avocat automatiquement de tes origines. Et bien, eux, à défaut de venir chez nous et de se défendre, ils ont attendu qu'on vienne chez eux pour leur dire, oh les gars, pourquoi vous ne nous kiffez pas ? Je dis, comment ça, on vous kiffe ? Bien sûr, on vous kiffe. Comme moi aussi, moi je suis arabe musulman, je pars ailleurs, on me kiffe pas, ne me dis pas que moi je te kiffe pas, moi je t'adore, on est dans la même merde. Donc du coup, ouais, ils ont... C'est parce que c'est pas un pays très touristique, ils reçoivent rarement des... Non, il y a déjà Moscou et Saint-Pétersbourg, quand tu es russe, il te faut un passeport pour y accéder. Quand tu es russe ? Ouais, un russe pour aller à Moscou ou Saint-Pétersbourg a son passeport yalou, un laissez passer. Chelou, ouais. Ouais, sinon, regarde, toute la Russie a dit coupe de max, c'est quand même un pays assez rural, dans certaines régions, dans la Sibérie, etc. J'ai plein de potes, ils m'ont dit, il n'y a rien autour de les grandes villes ou de toutes les villes où il y a les stades. Il n'y a rien. Ils m'ont dit, il n'y a rien, même pas dedans. Tu sais que c'est quoi le plus grand désert du monde ? Je sais pas. Devine. Ça, hein ? C'est la Sibérie. La Sibérie, le désert de Wallou. C'est un désert, c'est le Sahara. Sahara, c'est le Tlj. Ouais. Damn. Ouais, ouais, ouais. Moi, je fais un big up aux Russes. Il y a des Russes qui habitent à Marrakech. Merci. Je te kiffe, Kim Strelkova. On a fait des vidéos avec elle, une danseuse de talent. Il y a toute une équipe du Marinsky qui vit ici maintenant. Ouais. Anastasia. Récemment, j'ai rencontré Marina Alarak. Tu connais des Russes qui habitent ici ? Non, mais je veux faire un coucou à Sharapova. Je t'adore. Sharapova et Sergei, ouais, ceux qui t'ont hébergé, là, les rappeurs. Ah ouais, ouais. Eux, j'ai toute une vidéo que je veux faire sur eux parce que j'ai documenté tout le making of de la soirée à laquelle ils m'ont invité, ouais. Mais l'aéroport, les balades autour de Moscou, l'arrivée de la soirée, la rencontre avec le DJ Armuli, qui est en fait le plus gros DJ hip-hop et trap de tout Moscou. Wow. Donc j'ai plein de contenu, je vais faire une petite vidéo stylée de partying with the Russians. Yes, ouais. Ça va changer l'image. Donc toi, ton image de la Russie a changé, tu trouves ? Non, bah, moi j'y suis allé déjà de manière assez open, j'en avais déjà rencontré pas mal pendant mon séjour, surtout aux États-Unis. Ils sont cool. Mais ils ont dit que l'image, ils sont trop froids ou là trop distants, etc. C'est les méchants dans les films. Ben non, ils adorent, ils aiment bien faire la fête, ils sont cool. Il faut juste que qu'ils soient dans leur élément. Ouais. Franchement, we love you, Russia, we love you. Magnifique. Alors, comment on dit we love you in Russian ? Yati Bialoublou. Yati Bialoublou, c'est clair. Yati Bialoublou, c'est ça ? Yati Bialoublou. Yati Bialoublou. Putain, j'ai pas dit je t'aime. Ma copine Mérine Rabah, elle m'a pris. Génial. We love you, Russia. J'ai dit spasiba. C'est krasavchik. Bah voilà, bon, on va faire une petite... T'as laissé ? Non, j'ai laissé. Alright, c'est bientôt la fin du podcast. Je vais te remercier déjà d'être venu. Merci à Nabil Skalis, qu'il est bon. Yeah. Pour ce podcast de merde. On va faire une petite pub pour Keshlab. On est dans un coworking space là. Et en fait, beaucoup de gens me posent des questions parce que c'est pas très clair. C'est un endroit qui a plusieurs fonctions. On crée des images, par exemple de la vidéo, pour les médias sociaux, des images et de la vidéo. Et aussi, c'est un coworking space, c'est-à-dire qu'on loue l'espace. On a une grande maison avec des bureaux, donc pour des gens qui veulent s'installer. On a une fille qui donne des cours d'arabe, c'est Mariam, je te fais un gros bisou, Mariam Sharaf. C'est Aïda qui a loué l'espace parce qu'elle a une agence d'immobilier. Et l'espace en haut qui vient d'être libéré, donc on le met à nouveau en location. Donc voilà, Mahbabi, comme si vous voulez visiter. Et aussi à Keshlab, ils font Shbakiya Bilkilou tous les ramadans ou Teshwe ou Lhamarras, l'Eid Kbir. Exactement, il a parfaitement raison. Lui, il vient très souvent, il connaît. Et voilà, tu veux nous dire au revoir, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je vous conseille de checker la nouvelle chaîne YouTube de Nabil Skilibon. Si vous voulez avoir une idée de ce qui s'est passé en Russie du côté marocain. Comment s'appelle la chaîne ? Nabil, plus loin, Skili, S-K-I-L-Y. Nabil Skili. Ah, www.nabilskili.com. J'oublie que j'ai un site web. T'as un site, mec ? Waouh !
Mec, ça compte plus les sites, maintenant c'est la chaîne YouTube et... J'ai un logo, t'as vu mon logo, c'est comment il claque. Non, j'ai pas vu, mec. C'est une afro. Mec, moi j'allais te dire, il faut que pas de il faut pas de l'eau, il te faut ta tête en photo, c'est tout, ça te ferait un super logo. Ah oui, super. Sinon, j'ai plein de vidéos encore que j'ai pas publiées, j'ai un best-of que je vais faire. Ouais. Et j'ai plein de contenus intemporels sur la Russie que j'ai filmé, que je compte monter. J'ai fait un petit sujet aussi sur Sochi. Sur toute l'infrastructure qui a été déployée là-bas en amont des Jeux Olympiques et puis de la Coupe du Monde pour pouvoir effectuer un parallèle. On a des aspirations au Maroc à vouloir organiser la Coupe du Monde, etc. Je me suis dit autant capter un petit peu juste le côté infrastructure. Je suis parti après tous les matchs, j'ai recueilli quelques témoignages de à quoi ressemble la ville pendant, à quoi elle ressemblait avant selon les dires des gens et à quoi ça ressemble après. Génial. Et comment l'infrastructure elle est utilisée tout au long de l'année, pas pendant que ces grands événements. Donc en fait, la majorité de ton contenu, tu l'as pas encore monté. J'ai beaucoup de rush, wow, j'ai 700 gigas de... Ah, waouh, le travail commence, mec. C'est un deck, ne traîne pas, parce que si tu laisses traîner des footage trop longtemps sur le disque dur, après finalement, t'en fais rien et ça disparaît, tu vois. Ou bien, ou bien tu le publies à ma place quand je te laisse la part une photo. Ouais. Il y a d'autres vidéos, par exemple la vidéo, si vous voulez avoir une idée sur ce qui s'est passé à Ouzoud avec Lara, qui est une vidéo sur Moukaz Vlog. C'est ton truc qui va vous donner une idée. Moi c'était le Désert Festival. Je lui ai emprunté sa caméra, je lui ai dit bon tiens, je reprendrai les images après. Mec, il a attendu deux semaines, il a dit bon j'ai pas envie qu'elle se perde ces images, je les vois là. Bah ouais mec, c'est des trucs hyper rares. Ça m'a fait triper de voir ces images. Ah, ouais. Les gens triper devant les dunes, ça fait high vibe. Bientôt Atlas Électronique. Ah ouais, hyper hype. Ouais. Faut que, bon, beaucoup de travail mais je vais essayer d'y être for sure. Il faut. C'est super. En plus, là, ils prennent une perspective plus large par rapport à tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est résidence artistique, faire des trucs entre les gens. Yes. Il y a Banal là, qui a enregistré avec Philou pour essayer de faire un hippie, pour faire la promotion de la fusion de la musique marocaine avec des DJ, etc. Pour essayer de faire tourner les gars, etc. Donc, ils font un super travail de pub. Génial. Pour le Maroc et notre patrimoine, hormis le volet fête. Ouais, allez. L'année dernière, c'est je suis allé, c'était un des meilleurs festivals où je suis allé. C'est à Village Anna. Exactement. Dans la palmeraie de Marrakech. Yep. Du lourd, cette fois, ouais, je vais pas le rater. Cette année, tu le fais sans béquille. Sans béquille, sans casser la gueule. C'est là où je m'étais fait le déglingage. Bon, attends, je vais faire du sport. Je me suis fait plâtrer. Et elle me dit, va faire du sport. Et là, je vous dis à tous, à bientôt. Merci d'avoir suivi le podcast. Salam alaikum, bye bye. Signing out. We got it. Diamond. You're diamond. Here at your shine bright like a diamond. Always. Shine bright. Ouais, vite fait. Vite, ta télé. Oh.